Ah ouais, tu roules avec tout ça dans la voiture. Ah oui, moi je suis pas pour le poids puissance, moi. T'as pas peur que ça se mette sous la pédale ou quoi? Non, tu sais, ici, ce côté-là, non. D'accord. Ça passe pas. Tu vois, c'est un pont. Vas-y, installe-toi. Ça marche. Je roule avec un peu de musique, ça me fait délirer. Ah ouais? Enfin, c'est juste pour déconner. Fais gaffe à la. Elle te gêne pas? C'est bon? Non, c'est bon. Ça va aller? Ouais. Ok, c'est parti. Bon, attention, moi je suis pas un grand pilote. Hein. Ouais, je m'en fous, c'est pour faire la promenade. C'est jamais que ma deuxième journée. Donc... Chaque chose en son temps. Exactement. On est là juste pour se faire plaisir. Tu sais pas avec mon pauvre break que je vais faire mal à tous ces gens. C'est quand même pas de la merde. Hein. C'est une super bagnole. C'est un break Porsche quand même. Faut le dire. Faut le dire. C'est marrant. J'aime bien. Je suis le seul break en plus. C'est ça qui est drôle. Ouais, mais c'est pas. Non, c'est un break. C'est un break. Bon, bah, je sais pas. J'espère que ce sera pas d'ici. Par contre, j'adorerais qu'on vienne un truc pareil. Enfin, ça doit être à quoi, une catarame? Ah ouais, ça doit être. Mais je crois qu'ils le font en location. Ouais, enfin, 200 euros de la loc. Ah non, non. Tu l'as conduit quelques tours, je sais pas si t'es obligé de la louer. Si, sur les tarifs, je regardais. Ah là-bas. Ouais, ouais. Ah, je pensais qu'on. En fait, tu peux la louer pour une session. Pas sur la journée, c'est 1000 euros. C'est un truc de malade. Ah bon? Ah ouais, sur la journée, c'est 1000 et quelques euros. Ah bon? Bah, va voir sur le site For Event, tu verras. Ah ouais? Enfin, je l'ai pas vu ça. J'ai vu, c'est des Subaru. Est-ce que tu peux me dire si ça filme ou pas? Ouais. Oh, cool. Et t'as une bagnole toi? Tu roules en saxo? En saxo? Ouais. Bah pareil, c'est la piste ou normal? Il y a du châssis. Il y a du châssis, il y a du frein, il y a de la boîte de vitesse. C'est cool. Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien et sur circuit je dois être entre 16 et 19 litres au 100. C'est que dalle. C'est que dalle. Là je suis à 30 litres. Voilà. Exactement. Bah tu tombes pas? Oh merde. Ah, fait chier. Ah Daniel il voulait te pousser. Ouais. Il va t'aider si tu veux à te pousser. Ouais, j'ai du monde, tu vois. Je suis parti après tout. Il n'y a pas des câbles oui. Et tout ça si, des câbles. Putain la merde. Ouais, sur ces bagnoles là, quand tu t'en sers pas, le problème c'est que la batterie elle descend. Mon pote c'est pareil, il a acheté un petit appareil, tu sais. Ouais, ça descend pour les laisser. Voilà, en charge. Et je sais pas si sur ta génération ça le fait, mais sur les 996 en fait, quand tu ouvres la porte, l'ordinateur ou je sais plus quoi reste en tension pendant 3-4 jours et ça te flingue la batterie. C'est un truc de dingue. Hey, tous les jours je vais au boulot moi. Le boulot est différent, c'est que allemand. Non, mais c'est parce que je fais même pas 5 minutes de chez moi, donc ça va. En tout cas, elle a un beau bruit. Hein. Ah oui, surtout sur la Porsche, il doit être à 2-2 à l'avant. Normalement. Ah ouais, non, c'est trop. Là, il faudrait que tu descendes à 2-2, 2-3, non, à l'avant. 5 à l'arrière et 2-4 à l'arrière. Ah, mais mieux que 3-3-5. Ah oui, c'est sûr. Bah moi, là, mon pneu arrière droit, je peux pas ouvrir la valve. Donc je peux pas dégonfler, mais le reste, ça a l'air d'aller. Faut que je reprenne. Hein? Faut dégonfler au couteau. Non, ça va aller, non. C'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, même s'il est surgonflé de toute façon, je glisse, donc c'est pas très grave. L'essence c'est pas donné les gars. Alors ah, sinon tu coupes le moteur monsieur. Ouais mais je sais pas, il me disait que. Quoi? Je pensais qu'on allait partir tout de suite. C'est chaud la voiture, j'ai essayé de rouler avec la clim. Moi je le tout ouvrant, mais. Moi je le ferai pas. Ouais toi t'as un super beau tout ouvrant en plus. Ah ça y est.
vrai, ils sont cool ici. Hein. Ouais. Tu fais d'autres sorties circuit ? Hein ? Tu tournes avec qui ? Je tourne avec qui ? Ouais, quand tu fais une sortie circuit, tu m'as dit que c'était ta deuxième. Ouais, c'est ma deuxième. La dernière fois, j'étais venu avec un pote, il y avait une 911 Turbo. C'est ma deuxième journée. Je suis assez content. Enfin, par rapport à mon petit niveau, j'arrive à me faire plaisir. Oh, c'est l'essentiel, hein. Bon, faut déjà venir pour se faire plaisir, après tu verras le reste, mais déjà voilà. Mais là je suis content parce que j'ai mis du rétabliation et j'ai mis des percées à l'avant et avec des plaquettes neuves, putain, je perds quasiment pas de frein. C'est vraiment cool pour une bagnole d'une tonne 6, c'est vraiment très sympa. C'est un point critique souvent. Et avec la chaleur là je suis épaté. Comme j'ai purgé mes freins et tout, c'est cool. J'étais monté dans une 993 RS, c'était mortel. Mais c'était à l'anneau du Rhin. Ouais, je vois. C'est là où ils essaient les Véronnes. Putain, comment ça va vite là-bas? T'as des courbes à 200 km/h. Bon. Allez, allez. C'est quoi, c'est système au feu down ça? Ouais. T'écoutes? Ouais. Ça va alors. On est sur quelqu'un qui a les mêmes goûts. Non, elle a juste une petite prépa au niveau de la puce. D'accord. Elle a 345, 350, le mec qui m'a annoncé. Elle a une bonne santé. C'est surtout ça qui est intéressant. Elle est bonne quoi ? Elle est en super santé. Ah oui. Le mec, je sais pas si tu connais un peu, au niveau de la RS2, il y a un spécialiste. Je l'ai eu à 83 000 km. D'accord. Ah oui, il y a les 4 roues là-dessus. Ouais.